cours du match suivant, Liang Keliang prit rapidement la tête devant Mitsuro Kono. À ce moment précis, au cours du deuxième échange, la Chine menait par 20 à 15. Et pour le match suivant, Birocho rencontra le japonais Mitsuro Kono et la possibilité de remporter le championnat sembla soudain bien incertaine. Kono remporta les deux premiers jeux et au cours du troisième jeu, avec un score de 20 à 16, il n'eut aucune difficulté pour gagner ce match. De plus en plus, Kono... Ils ont gagné deux jeux et tout dépend du dernier échange. Kono a 3 points d'avance et Bengston se trouve en position critique. Ah, maintenant il n'a plus que 2 points d'avance, 18 à 16. Les supporters de Bengston ne semblent pas douter de l'issue du match. Le score est de 17 à 18. De Kono qui lui redonne l'avantage. 18-19. Oh, quel match fantastique! Les milliers de spectateurs qui y assistent retiennent leur souffle. 18-20. Kono va servir et c'est le point dont dépend l'issue du match. Bengston n'a pas encore dit son dernier mot, 19 à 20. Oh, quelle fin de partie! Et finalement, c'est le Japon et la Chine qui disputèrent le match de championnat. Mitsuro Kono contre Kuao Yaowa. C'est Yaowa qui remporta le premier jeu, mais se laissa distancer dès le début du second. Le score est de 4 à 10 et Yaowa sert Kono. Service à Kono. Le score, 11 à 4. Yaowa, qui avait joué brillamment pendant 10 jours, semblait soudain en perte de vitesse. Et Kono montrait qu'il était bien décidé à le pousser dans ses derniers retranchements. Le match est vite devenu une véritable bataille où chaque champion faisait appel à tout ce qu'il possédait de style et de savoir-faire. Kono s'efforçait par tous les moyens de fatiguer son adversaire très agressif. Kono continua sur cette lancée et remporta le deuxième jeu. Et à la fin du troisième, il avait toujours l'avantage. Le score à ce moment-là était de 17 à 18. 17 à 19.
l'écart n'est toujours pas très grand. UA utilise au maximum son service et son coup droit avec effet sur le dessus de la balle. Il tient ses raquettes comme on tient un stylo, ce qui lui permet de réagir très vite devant les attaques de son adversaire. Le score était de 18 à 20 et il était évident que c'était Kono qui menait le jeu avec des coups serrés, des coups droits et un remarquable jeu de jambes pour forcer son adversaire à se déplacer au maximum. Avait maintenant un jeu d'avance et il allait poursuivre cet avantage au cours du jeu suivant. Le score était maintenant de 8 à 15 et UA avait fort à faire pour remonter le courant. Stop. 9 à 15, Kono ne lui laisse aucun répit. À 9, service à Kono qui a toujours l'avantage. 16 à 10, oh quel match extraordinaire! Oh. 17 à 10, UA va avoir du mal maintenant à remonter le courant. À 11. Kono, 31 ans, diplômé de l'université de Tokyo, a maintenant un sérieux avantage sur son adversaire. Est-ce qu'il va pouvoir le conserver? À 12, il n'a plus que 5 points d'avance. S'il peut conserver cette avance, il va pouvoir peut-être réaliser ce qui doit être le rêve de sa vie. Service à UA. Ça va peut-être lui permettre de réduire l'avance de Kono. Ah, là, il n'y avait pas le moindre doute. Les spectateurs sont assis sur le bord de leur siège. Aussi, croyez bien que pour Kono, que 2 points seulement séparent du titre mondial, la tension nerveuse doit être extraordinaire. C'est le point de match pour Kono. Et voilà, après 700 parties, le titre mondial masculin des simples est remporté par Mitsuru Kono devant Kuao Yaoua, deuxième. Au début du championnat, Kono avait été placé en 10e position par les spécialistes. Aujourd'hui, il est numéro 1, champion du monde de ping-pong, et son visage est toujours aussi impénétrable.